C'était pour nous un match de reprise, il fallait qu'on s'acclimate à la chaleur, c'était un petit peu la crainte que j'avais. Mais finalement, ça s'est bien passé et le résultat vient valoriser notre travail et ça c'est bon à prendre pour la compétition. On joue les matchs amicaux, on les joue pour les gagner. C'est vrai que ce qui change en sélection par rapport au club, c'est que l'importance du résultat elle est là parce que c'est des matchs amicaux de sélection nationale, donc c'est toujours intéressant à travers les résultats positifs, ça permet de prendre la confiance et ça nous encourage à travailler encore plus. Ouais, c'est bon pour le moral, ça nous met en confiance. C'est un match de préparation, c'était le tout premier après ce stage. Et la Guinée, tout le monde sait que ce n'est pas une petite équipe. Et ce n'est pas une équipe anodine de la Guinée, c'est l'équipe qui va aller en phase finale de la CAN. Ils sont en préparation ici comme nous. Et donc les battre 1-0, surtout avec cette qualité de jeu, et franchement, on peut être très heureux pour nos équipes. Et je félicite les joueurs dans la voie technique et je pense qu'on va continuer à travailler parce que cette CAN, on y va pour la jouer à fond, on y va parce qu'on est de retour sur la scène internationale. Et comme je l'ai dit, on est de retour pour rester, on est de retour pour continuer à construire pour que le Bénin soit désormais une grande nation de football.